Salut tout zanmi la pres ki la mater e ki repote prezant a Point de Presse sa ki gen pou objektif prezante desisyon ke pake apren nan kad pandemi COVID-19 lan sou instruksyon minis justice lan e an konformite avek arete prezidansyen lan. Nou genye premièrement, question de détention préventive prolongée. Nous, c'est une instruction formelle du ministre de la Justice pour que nous fassions des sièges correctionnels et pour évacuer les délits mineurs. Et c'est le cas de ça. Nous avons 47 personnes qui sont libérées, 40 garçons, 7 filles. Entre la prison et le Jérémy, commissariat de Jérémy. Notre différence, c'est mettre en évidence la vôtre. Plus les gens qui sont c'est les gens qui étaient en détention préventive prolongée. Nous avons 18 personnes. Et condamné qui te fait plus GPNO, mais peut-être yon dispositif, ou bien peut-être yon amène yon en prison, et bien nous avons 5 autres moun qui l'agé. Et dans le cadre d'éliminer yon, voie de fer, tant que moun qui te gouvernement, nous venons l'agé 17 garçons. Et pour filles, il y a 3 filles qui sont libérées dans le commissariat Jérémy, et il y a 3 qui sont en détention préventive prolongée dans la prison, et puis il y a yon qui te commet un délimineur qui te gouvernement, c'est frère au total de 47 moun. Et faut dire, prévenu qui là pour viol, pour assassinat, pour meurtre, et comme nous avons kidnappé dans le département, donc moun sa yo, yo pas qu'à bénéficier de mesures sa yo, parce que c'est des infractions graves, des cap violer filles, des cap violer ti moun, des cap tuer moun, donc yo pas bénéficier de mesures sa yo. Donc c'est pour nous capables d'empêcher propagation coronavirus là, dans le cadre prison civile, j'irai bien. Et c'est comme ça, nous gagnons. Au total, 47 personnes qui bénéficient de mesures à eux et nous sommes décantés pour nous. Il y a des gens qui ont été en détention préventive prolongée, il y a qui ont été jugés peignés au même pas de dispositif, et puis il reste pour nous, c'est des gens qui étaient là pour des voies de fait simple, pour des affaires correctionnelles. Mesures à eux, dans le cadre d'arrêté présidentiel, là, nous faisons tout effort qui possible pour que nous appliquions. Après que le conseil de gardien qui fonctionnait, c'est information nous pas de gain. Et depuis que l'information nous arrivait sur eux, nous fermions. Et rara qui a sorti qui t'a exercé nous prenons toute disposition de conseil avec la police et puis nous bloquer qu'est-ce que ça mais question pour nous sorti la nuit là faut nous les vignes c'est difficile pour nous cerquer tout le département en même temps on apprend que des fois nous obligés faire la police sortir ici 24-5 heures pour nous contrôler l'espace et puis pour nous capables de faire mon rentrer mais il n'est pas facile parce que effectif policier nous gagnons pas permettre que nous couvrir tout le département mais on voit que le magistrat combiné là pour nous arrêter pour renforcer l'arrêté présidentiel là et depuis hier nous mettons les bouchées d'eau pour nous comprendre que le coronavirus là, c'est à faire tout le monde lié et nous tout capable. Et dans le cadre de COVID-19, là, on apprend que même dans le niveau paquet, nous demandons de respecter les principes. On apprend là, dans le bureau, on demande de mais c'est à une distance de 1 mètre. Dans le paquet, là, on nous met de nouvelles dispositions. Il y a une entrée, il y a une salle d'attente. Et nous avons des affiches nous mettons pour nous lire. Nous avons beaucoup nous mettons là pour laver les mains. Donc, c'est consigné pour nous appliquer à la lettre. Et nous demandons aux populations pour prendre ça très au sérieux parce que le coronavirus est capable de tuer des qui vous.